Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes au parc Sherman Oaks Castle à Los Angeles, en Californie. Devine ce qu'il y a derrière moi. Un château. Trop génial. Et tu sais ce qui est aussi génial? Toi et moi, on va jouer ensemble au mini-golf. Oui, c'est parti, on va jouer. Nous sommes arrivés au parcours numéro 1 et il semblerait que nous soyons au premier trou. Wow! Tu as vu? On dirait que quelqu'un a déroulé le tapis rouge pour nous. Il ne nous manque plus grand-chose. Une balle de golf et un putter. Oh, hey! Salut, comment Blippi. Tu t'appelles? Jonathan. Jonathan, tu as une balle de golf orange et un putter bleu. Oui, c'est rien que pour toi. Wow! Ouais! Regarde ça! On va pouvoir les utiliser pour faire une partie de mini-golf. Dis-moi, Jonathan, y a-t-il quelque chose que nous devons savoir avant de commencer? Le but est d'envoyer la balle dans le trou en un minimum de coups. Ok, on va essayer de faire ça. Merci! Amuse-toi bien. Génial! Tu es prêt à jouer au mini-golf avec moi? Ouais! Ok, c'est parti! Bien, il faut tenir le putter avec les deux mains comme ça. Et... Wow! Wow, regarde! Wow! T'as vu ça? Ouais! La balle de golf a roulé jusqu'ici et a rebondi sur le côté du mur! Wow! On a donc fait un coup! On va réessayer! Oh! Encore raté! Mais c'est pas grave! Et de deux coups! Wow! On est tellement près du trou! Voyons si on peut la faire entrer. Ouais! On a réussi! La balle est entrée dans le trou! Bien! On peut passer au deuxième trou. Oh! Wow! Attends une minute! Ce trou-là est tellement grand qu'il est en deux parties. En premier lieu, on doit faire passer la balle sur le pont. Et en deuxième lieu, il faut l'amener jusque dans le trou. Allons voir de plus près. Viens! Wow! Regarde! Nous sommes au sommet de la colline, au pied de la maison au chocolat. C'est une délicieuse maison sucrée, faite en pain d'épices et en canne à sucre. Miam! Hey! Regarde ça! Wow! C'est le fameux pont! Ouais! On fait passer la balle de golf tout le long du pont parce que ce trou-là est un tunnel qui mène très près du trou. Mais si elle ne passe pas sur le pont, elle arrivera très loin du trou. Ouh! Je crois qu'on devrait essayer. C'est parti! Ouais! On a réussi à traverser le pont! Wow! Regarde! Ouais! Wow! Elle est tellement près du trou! Hey! Je suis sûr qu'on peut y arriver en deux coups! Ouais! À ton avis, est-ce qu'on va arriver à gagner en deux coups? Ouais! Essayons de faire ce trou en deux coups seulement! Ah, on peut y arriver! T'as vu ça? On a réussi en seulement deux coups! Il est temps de passer au trou suivant! Wow! Regarde! Nous sommes à l'extérieur d'une incroyable forteresse! Ouais! C'est tellement cool! J'ai comme l'impression qu'on est parti à l'aventure! Hé! Hey, j'ai une idée! Si toi et moi, on devenait des aventuriers qui explorent de nouvelles terres! Tu veux partir à l'aventure avec moi? Reste bien attentif! Reste à l'affût de nouvelles découvertes.
Ce serait peut-être plus facile avec des jumelles. Attends voir. On n'est pas des aventuriers, on joue au mini-golf. Voyons, ici, c'est la fin du trou. Mais où est donc le début du trou? Oh, regarde! Ça ressemble beaucoup à un tunnel. Oh, je parie que si on trouve le départ du tunnel, on trouvera le début du trou. Et ce tunnel mène dans la forteresse. Attends une minute! Pourquoi toi et moi, on ne serait pas des aventuriers? Au lieu de chercher de nouvelles terres, on chercherait le début du tunnel! Ok, ouvre bien grand les yeux! Wow, on a enfin trouvé! À l'intérieur de la forteresse se cachait le début du tunnel! Ouais, tu vois? On doit faire passer la balle de golf sur la rampe et à l'intérieur du tunnel. Ouais, tu as été un super aventurier. Tu es prêt? Ok, on a notre putter et notre balle de golf. Est-ce que tu veux bien m'aider à compter tous les coups? Allez, c'est parti! 1 Elle est revenue. On va devoir essayer. 2 Oh, elle est encore revenue. Ah, c'est un trou vraiment difficile. Ben, c'est pas grave, on va continuer à nous entraîner. Tu es prêt? 3 Elle n'arrête pas de revenir. Ouais, c'est pas grave, on va continuer d'essayer et on y arrivera bien un moment. 4 Ouais, on a réussi. On a pu traverser le tunnel. Allez, on va voir de l'autre côté. On continue l'aventure. Wow, regarde! La balle de golf est sortie de l'autre côté du tunnel! Oh! D'accord. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre la balle dans le trou. C'est le coup numéro 5! Six! Oh, on a réussi! On l'a mise dans le trou en seulement 6 coups! Bon travail! T'as vu ça? C'est un gigantesque phare! Wow! Il est tellement grand! Oui! Un phare est un bâtiment très grand et très long avec une lumière au sommet. Ouais! Il indique au bateau où il faut aller pour être en sécurité. Ouais! Les phares dirigent en général les marins. Mais ce phare-là dirige les golfeurs comme nous, ouais. Il nous dit où il faut mettre la balle de golf. Est-ce que vous voyez des bateaux par ici? Non, je n'en vois pas non plus. Mais je vois où la balle de golf doit aller. Wow, sur le pont au fond du trou. On va essayer de trouver ce trou maintenant. Ouais. D'accord. Tu peux compter les coups avec moi? 1 Oh oh, elle revient. Il va falloir réessayer. 2 On a réussi! On est passé à travers le pont! On va voir où elle est allée! Wow! Regarde la balle! Elle a traversé le tunnel! Et maintenant, on doit la mettre dans le trou! Ah oh! Il y a un problème! Regarde! Il y a un rectangle géant sur le chemin! Bon, c'est pas grave! On s'est bien entraîné!
Coup numéro 3. Waouh ! La balle est passée de l'autre côté du rectangle, mais on doit encore la mettre dans le trou. Coup numéro 4. On a réussi! On l'a mise dans le trou en 5 coups! Bon travail! On est arrivé au trou suivant! Oh! Et je vois le trou juste là! Wow! Regarde! Bien, ça c'est la fin. Mais où est-ce que ça commence? Regarde, on a trouvé le début. Hey, tu veux bien compter les coups avec moi? Ok, c'est parti. 1. Je pense qu'il va falloir que je frappe très fort. Wow, allons voir où elle est partie. Wow. Elle est là où on a commencé. Deux. Génial! On a réussi! On a réussi en 2 coups. Bon travail! On devient vraiment doué. Merci pour ton aide. Hey, est-ce que tu as remarqué que le sol est rouge? Ça me fait un peu penser à de la lave. Oh! Le sol est en lave! J'adore jouer à toutes sortes de jeux, mais j'aime encore plus jouer à des jeux qui me permettent d'utiliser mon imagination. Hey! Qu'est-ce que tu dirais qu'on joue à un jeu en utilisant notre imagination? J'en connais justement un très marrant. Jouons au jeu Le sol est en lave. Stop, hein? Tous aux abris. Mais... reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Stop, tous aux abris. Reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Le sol est tout en lave. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tes pieds ne doivent pas toucher par terre, sinon c'est toi qui perds. Si tu restes sur le sol, prends garde à tes pieds. La lave étant très très chaude, tu risquerais de te brûler. Stop, hein? Tous aux abris. Mais... reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Stop, tous aux abris. Reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Si je suis dans le jardin, comment je fais? Grimpe sur un arbre, ce sera parfait. Dans la salle de bain, je dois bien réfléchir. Je saute sur l'évier, ça devrait suffire. Saute sur la table en passant par le canapé. Puis du canapé jusqu'au fauteuil de Pépé. Puis je saute du fauteuil au parquet. Oh non, je suis sur le sol! C'est pas vrai! Stop, hein? Tous aux abris. Mais... reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Stop, tous aux abris. Reste sur le sol, tu perds la partie. Pourquoi? Le sol est en lave. Tu ne vois pas que le sol est en lave. Regarde ça. Hey! Wow! On a réussi! On est arrivé au dernier trou! Oh! On dirait qu'il commence à pleuvoir. Bon, c'est pas grave. On a presque fini. Tu as fait un super boulot en comptant avec moi. Tu veux bien compter une dernière fois? Super! C'est parti! Jouons le dernier trou! 1. On a réussi! Et on a réussi en un seul coup! Ça s'appelle un trou en un! Wow!
Wow! C'était tellement amusant de jouer au mini-golf ensemble! On a joué sur un très beau parcours et on a vu des choses plutôt cool! Oh! Et je te félicite d'avoir compté avec moi! Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Bien! B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Bien, à très bientôt! Bye bye! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Salut! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes chez Party Jungle, à Phoenix, en Arizona. Et on va méga s'amuser! Venez! Oh oh oh! Regardez ça! Ouh, hey oh! Comment ça va? Très bien, merci! Oh, j'ai trop hâte! Oh, regardez ça! Amusez-vous! Oh, merci! Oh, un bracelet et des jetons! Bye bye! Bye! Hey, je mets ça dans ma poche pour plus tard! Oh, c'est parti pour un tour! Wow! Regardez ça! Quel est ce genre d'animal? Oui, c'est un éléphant! Tu veux faire l'éléphant avec moi? Les éléphants sont énormes! Boum, boum, boum! Ok! C'est parti! Wow! Wow! C'était trop génial ce petit tour d'éléphant! Et tellement fun de faire l'éléphant! Allons faire un petit tour ailleurs! Oh! Oh, regardez celui-là! Merci! Wow! Hey, on dirait une balançoire! Connaissez-vous un animal qui adore se balancer sur les arbres? Oh. Oui, les singes adorent se balancer sur les arbres. Allez, on fait le singe, ok? Allez, on s'installe. Ok, et voilà. Ok, s'assoit. Oh. Voilà, c'est bon, on s'attache. Comme ça. Et... Ok, je suis prêt. Oh. 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 Oui, c'est parti. Wow. Ok. Oh. Oh, je m'amuse comme un fou. Oh, j'ai un peu faim. Oh non, je suis coincé. Faisons comme le singe pour se sortir de là. Oui, bien joué. Ok, à bientôt. Waouh. Je commence à avoir faim. Oh, vous avez faim? Allons-y! Oh oh! Prenons un petit tanka! Hey, hey. Allez! Oh!
Puis-je avoir des biscuits animaux? Bien sûr. Oh, des biscuits animaux. Oh. Et voilà. Merci. Ok, allons nous asseoir. Pourquoi pas ici? Oh, oh, oh. Allez, ouvrons-les. Waouh, tous ces animaux! Posons ça juste là. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est un chien! Ouf, ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Oh, j'ai une idée! Et si on mangeait nos biscuits comme font les chiens? Savez-vous manger comme les chiens? Ouais! Sans les mains! C'est dingo! Ok, voyons ce qu'il y a d'autre par ici. Waouh! Cet endroit est vraiment cool et plein de couleurs. Waouh! Oh! Regardez ça! Un mini-golf! Waouh! Hey! Et voilà, deux clubs. Vous voulez celui-là? Ou celui-là? Prenons celui-là. Il a l'air juste à ma taille. On a donc un club bleu et une balle orange. Mes deux couleurs préférées. Ok, tout va bien. Ok, c'est parti. Oh, attendez un peu. Vous avez vu ça? Quel est cet animal? Wow! C'est un zèbre! Wow! Noir, blanc, noir, blanc. Hey, savez-vous que les zèbres sont en fait tout noirs avec des rayures blanches? Intéressant! Faut pas que j'oublie ça! Wow! Wow! Un hippopotame! Wow, c'est dingo! Allez, on fait l'hippopo! Les hippopos sont énormes! Ils adorent l'eau! Et la terre aussi! Plutôt intéressant! Oh, allez! C'est reparti! Oh! Oh! J'y suis presque arrivé! Wow! Regardez! Oh! Ça, c'est un cheval! Alors, cheval, ça va bien? J'adore les chevaux! Ils sont si gentils la plupart du temps! Et ils adorent galoper! Hé! Hey, allez, au galop! Ok, je vais mettre ce cheval ici, parce que nous avons un autre petit tour à faire. Je vous en prie. Venez! Waouh! Hello! Salut! Ah, c'est dingo! Hello! Salut, Blippi! Oh, venez là! Hello! Comment allez-vous? Bien. Oh, très bien! Vous êtes impatient? Ouais. Ok, on y va! Wow! Hello! Salut! Comment ça va? Check! Wow! Ok! Ok, je m'assois là et je mets la chaîne comme ça. Maintenant, on est prêt à y aller. Oh! Oh! Hello! Hello! Hello!
Oh, c'était super fun! Waouh! On adore Party Jungle! Ouais! Waouh! C'était génial! Chou-chou! Oh, voyons ce qu'il y a d'autre ici. Waouh! Une cage à poules! Waouh! Regardez! Waouh! Un joli petit animal! Hello! Ah, c'est un paresseux! Saviez-vous que les paresseux bougent très lentement? Là, venez! Faisons le paresseux ensemble! Ok! Pour faire comme le paresseux, il faut bouger très lentement. Prêt ? 3, 2, 1 ! C'est Oh, c'est dingo ! Avez-vous déjà vu un paresseux nager ? Vous devriez regarder, c'est trop drôle! Les paresseux bougent hyper lentement sur Terre, mais quand ils nagent hyper vite! 3 fois plus vite que sur la Terre! Waouh! Hey, dans cet espace, il faut ôter les chaussures. Alors, je quitte mes chaussures. Hey, c'est parti! 1, 2, ouais! Allez! Wow! Oh! 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 Ah! Cet endroit est génial! Wow! Regardez ça! Oh! 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 Qu'est-ce que c'est? Wow! Quel est cet animal? C'est trop mignon! C'est noir et blanc. Oh, c'est un pingouin! Oui! Faisons le pingouin ensemble! Ok, oh, il faut juste vous dandiner! Wow! On se dandine, on se dandine, on se dandine! On se dandine, on se dandine, on se dandine! Ok, remettons les chaussures et allons jouer jeu d'arcade. Oh, punaise. Ok. Oh, voyons voir. Wow, regardez ce jeu. Oh, ok. Mettons la pièce. Prenons le marteau. On est prêt. C'est trop génial! Vous voyez, je les tape quand ils sortent. Ça devient difficile. Il y en a 2 qui sortent en même temps. Je commence à fatiguer. Oh, 3 qui sortent maintenant. Je les ai eus. C'était super dur. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh, je connais un jeu ici. Venez par là. Dance Dance Revolution. Waouh! Je suis
hyper bon à celui-là. Soyez prêts. Tour de poisson. Et voilà. Wow. Wow. Oh, c'est comme si je nageais. Je suis sur le poisson. Joué. Ouh, c'était épuisant. Oh, 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 un autre manège. Waouh. Ouais, ça y est, voilà. Oh, parfait. Et c'est bon. Oh. Ok, celui-là, il est trop cool parce que tu tournes sur toi-même. Ok, c'est bon. Ah, je suis prêt. Cheval. Oh, oh. Ok, ça tourne. Oh, oh, oh. Vous avez vu la vitesse à laquelle je tournais? Oh, c'était génial! Oh, je me suis tellement amusé chez Party Jungle avec vous! Voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais si vous voulez voir plus de vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Voilà, c'était fabuleux de passer du temps avec les animaux et vous. Bye bye! Whoa! Venez les amis, apprendre c'est génial. Regarde les plantes, regarde les arbres, toutes les magnifiques couleurs, toutes les superbes feuilles. Notre terre est verte, notre terre est bleue. Protège sa bonté pour toi et moi. Notre terre est rare et on n'en a qu'une seule. Aidons-la ensemble. Respecte les arbres, ils nous donnent beaucoup d'air. Respecte les créatures et prends-en bien soin. Respecte les plantes, elles nous font respirer. Et respecte l'eau, les mers et océans. Quand on change les choses, on en voit la valeur. On doit tous aider, respecter notre terre. Ici sur terre, on a tout ce qu'on veut. Amis et maisons, on plante la graine. De l'air qu'on respire, à l'eau que l'on boit. De la terre où l'on vit, ça fait réfléchir. Des montagnes là-haut, jusqu'aux profondeurs. On partage la terre, il est temps de savoir. Respecte les arbres, ils nous donnent beaucoup d'air. Respecte les créatures et prends-en bien soin. Respecte les plantes, elles nous font respirer. Et respecte l'eau, les mers et océans. Quand on change les choses, on en voit la valeur. On doit tous aider, respecter notre terre. Respecte les arbres, ils nous donnent beaucoup d'air.
respecte les créatures et prends-en bien soin. Respecte les plantes, elles nous font respirer. Et respecte l'eau, les mers et océans. Quand on change les choses, on en voit la valeur. On doit tous aider, respecter notre terre. Nous allons découvrir les engins de chantier. Ils sont gigantesques et ils sont très puissants. Est-ce que tu as une idée de quel engin de chantier il s'agit là? On va le découvrir tout de suite. Hey! C'est moi, Blippi! Et regarde où je suis! Aujourd'hui, je suis à Tenino, à Washington, dans un ranch. Ouais! Regarde ça! Toute cette magnifique herbe! Wouhou! Hey! Aujourd'hui, on va découvrir un engin de chantier. Je vais te donner quelques indices pour te faire deviner. Alors, c'est un engin que l'on peut utiliser dans ce grand champ derrière moi. Ouais, pour les récoltes. Ouais. Ça commence par la lettre T. Et on peut ajouter plein d'accessoires dessus. Alors, tu as deviné? Oui, on y va! Waouh, regarde! Ça, c'est un tracteur! Oh, les tracteurs sont trop cool! On les utilise généralement dans les fermes et dans les ranchs. Ils permettent de faire tellement de choses! Hey, regarde ça! Waouh, tu vois ça? C'est ce qu'on appelle un godet. Et il peut ramasser beaucoup de terre, de gravier et d'autres choses en tout genre. Wouhou! Waouh, ça, ce sont les bras du godet. Ce sont eux qui permettent de le soulever. Waouh, juste ici... Ce sont les tuyaux hydrauliques. Leur travail, c'est d'aider à incliner, à ramasser des choses, puis à soulever le godet. Oh! Et ça, tu sais ce que c'est? Ouais! C'est ici qu'on fait le plein de carburant du tracteur.
Et ce tracteur-là ne roule pas à l'essence. Il roule au diesel. Ouais. Wow. Et juste là, c'est la cabine. Ouais, viens de l'autre côté. Viens. Wow. Hey, ce tracteur a une très grosse roue et un très gros pneu. Ouais. Wow. Et qu'est-ce que je vois là? Wow. Alors ça, c'est une roue et un pneu encore plus gros que l'autre. Hey, t'as remarqué? Il y a une roue et un pneu, deux roues et deux pneus. Et de l'autre côté du tracteur, il y en a encore deux. Alors, ça veut dire que 2 plus 2, ça fait 4. Hey, bien joué. Wow, regarde l'arrière du tracteur. Ouais, ça, c'est un accessoire de tondeuse. Wow. À l'arrière, juste là, il y a des lames. Ce qu'il faut faire, c'est attacher cette chose au tracteur et c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va traverser le champ tout entier pour couper l'herbe. Et ensuite, on aura un beau jardin pour pouvoir jouer. Wouhou! Mais il existe plein d'accessoires différents pour les tracteurs, comme des tarières, des presses à balles ou encore des faneuses. Wouhou! C'est génial! Allez, je pense qu'il est grand temps pour nous de monter et de conduire le tracteur. Ouais, c'est parti! Wow! Nous y voilà! Wow! Regarde ça! Ouais, on est à l'intérieur de la cabine du tracteur! Alors, chaque chose en son temps. Ouais, la sécurité avant tout. Ouais, ce qui veut dire qu'on doit mettre notre ceinture. Parfait. Très bien. C'est fait. Maintenant qu'on a mis notre ceinture, on peut prendre la clé, la mettre dans le contact et démarrer. Mais avant ça, je vais te montrer tout ce qu'il y a ici. Alors en bas, juste ici, ce sont les freins du tracteur. Ouais. C'est donc ici qu'il faudra poser le pied et appuyer dans le cas où on ait besoin de freiner le tracteur et de s'arrêter. Et ça, juste là, c'est le volant du tracteur. C'est avec ça que tu conduis et que tu fais aller le tracteur de gauche à droite. Ouais. Juste ici, on a une poignée. En la tirant, on soulève le godet. En la poussant vers l'avant, on pose le godet. Et de gauche à droite, on va déverser la terre qu'il y a dedans. Nous devrions aller chercher de la terre. Très bien. Je le mets en route. Et si on testait le klaxon? Très bien, c'est parti! Wouhou! Il ronronne comme un chaton! Maintenant, il faut qu'on ramasse de la terre dans notre godet. Tu as vu ça? Eh oui, ce tracteur est vraiment très utile! Bien joué! C'est un super engin, n'est-ce pas? Ouais! C'était tellement amusant de mettre en route et de conduire ce tracteur!
Waouh, c'est une sacrée machine qu'ils ont là pour travailler dans les fermes et les ranchs. Trop cool! Il y a tellement d'accessoires et on peut faire tant de choses. Et ouais! Nous avons découvert ce qu'était un tracteur. Les tracteurs sont absolument géniaux. Est-ce que tu arriveras à deviner le prochain véhicule? À ce que je vois, il a des roues énormes. On va le découvrir. Wow! Regarde cet engin qu'on a là! Tu sais de quoi il s'agit? Ça ressemble un peu à un camion. Mais il a une benne géante juste ici. On dirait une grosse boîte. Elle peut contenir plein de choses, cette benne. Et elle peut aussi les verser sur le sol. Attends voir. C'est tout simplement un camion benne! Ouais! J'adore les camions benne! Wow! Et regarde ça! Il est tellement grand! Wow! C'est là que se trouve le moteur. Wow! Un moteur gigantesque! Il faut un gros moteur pour ce genre de camion, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour soulever la benne. Wow! Regarde ça! Je crois que tu sais ce que c'est. Ouais! Ce sont les roues du camion et les pneus. Wow! Ce véhicule est vraiment cool parce qu'à l'arrière, il y en a tout plein. Je vais te montrer ça. Oh, d'abord, nous devons vérifier la cabine. Wow! Ça, c'est l'endroit où s'assoit le conducteur. Wow! Regarde! Wow! Il y a beaucoup de choses là-dedans, comme dans un véhicule normal. Il y a déjà un volant, et puis il y a des phares, il y a aussi un rétroviseur, il y a une clé pour démarrer, et des boutons et tout un tas de jauges différentes pour le faire fonctionner. Wow! Mais ce camion a besoin de beaucoup de carburant. Ouais, j'ai appelé ça du carburant parce que c'est pas de l'essence, c'est du diesel. Wow! Regarde! Génial! Est-ce que tu vois combien de roues et de pneus à ce véhicule? Regarde! Il y en a deux juste ici. Normalement, ils n'ont qu'une roue à l'avant. Et une seule roue à l'arrière. Mais celui-ci en a deux à l'arrière. Ouais! Et c'est multiplié par deux. Parce qu'il y en a deux de chaque côté. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a une, 2, 3, ouais! Et on ajoute 3 de ce côté à l'autre côté. 3 plus 3, ouais! Ça fait 6! Wow! Ici, ce sont des bavettes parce que elles protègent des projections! Comme une bavette de bébé! En fait, ça sert à empêcher à la boue de gicler sur les véhicules qui roulent derrière! Ça évite de créer des accidents! Ouais! Et regarde ça! Ça, c'est le haillon de ce camion benne. Quand on soulève la benne, elle s'ouvre et déverse son contenu. Il faut qu'on essaye de faire ça maintenant. On y va! Alors ça, c'était génial!
c'est incroyable! Tu as vu ce que ces deux machines font? Ouais! La pelleteuse charge le camion Ben avec plein de terre. Wow! Ça, c'est un beau travail d'équipe. Wow! Elle charge des pelletées de terre gigantesques dans le camion, qu'il va ensuite transporter. Wow! Wow! On dirait bien qu'elle est remplie à ras-bord. Ah, j'adore les camions Ben. Ils sont tellement grands et tellement puissants. Et ils sont très utiles sur le chantier. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? P-L-I-P-P-I Blippi. Bien joué. Hey, à très bientôt. Bye bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Toute la journée la danse, Blippi. Danse bien sur la chanson Blippi. La danse Blippi, oui, oui, suis-moi. La danse Blippi, fais-la avec moi. Tape dans tes mains sur la danse Blippi. Et tape dans tes mains. Fais la danse Blippi. Es-tu prêt à bouger? Entends-tu ce son? Sois prêt à danser et partout bougeons. Es-tu prêt à bouger dans toute la pièce? Et bouger, bouger sur l'air de Blippi. Prépare-toi, t'as des mains, secoue-toi. Détends-toi, fais une danse, chante bien fort. Prépare-toi, t'as des mains, secoue-toi. Détends-toi, fais une danse, chante bien fort. Toute la journée la danse Blippi. Danse bien sur la chanson Blippi. La danse Blippi, oui, oui, suis-moi. La danse Blippi, fais-la avec moi. Tape dans tes mains sur la danse Blippi. Et tape dans tes mains. Fais la danse Blippi. La musique est à fond et on s'amuse. On bouge nos pieds, allez tout le monde. Lève les mains vers le ciel, maintenant baisse-toi. Fais la danse Blippi partout où tu vas. Toute la journée la danse Blippi. Danse bien sur la chanson Blippi. La danse Blippi, oui, oui, suis-moi. La danse Blippi, fais-la avec moi. Prépare-toi, t'as des mains, t'as dans tes mains. Détends-toi sur la danse Blippi. Prépare-toi, t'as des mains, secoue-toi. Détends-toi, fais la danse Blippi. C'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'incroyables créatures. Et ça va être génial. Allons voir ça. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Oui, je suis dans une marina. Oui, une marina. C'est un complexe touristique où on laisse les bateaux. Haha, trop cool. Hey, regardez. Wow! Ici, on est au centre de la vie marine à Bellingham, Washington. Et vous et moi, on va découvrir plein de cool créatures et de poissons! Ouais, j'adore ça! Wouhou! Venez! Wow! Oh, hey! Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Kazé. Qui êtes-vous? Oh, je suis enchantée, Kazé. Moi, c'est Blippi. Qu'est-ce que vous faites là? Je peins quelques-uns de mes amis de l'océan sur le plafond, ici. Wow! Ce sont des requins? Oui, bien sûr. C'est des roussettes. Oh, trop cool! C'est une très belle peinture. Mais dites, ça vous dérange si je vais explorer le centre de la vie marine? Pas du tout. Wow! Regardez cet endroit! Wow! Ça va être tellement fun de découvrir la vie marine! Oui, venez! Regardez,
Oui, vous voyez ça? Ça, c'est une raie. Oui, c'est dur à voir, parce qu'elle se confond tellement bien avec les pierres qui l'entourent. Oui, un peu comme, genre, je me confonds avec cette créature, juste là. On est de la même couleur orange. La raie se confond avec les pierres. Ça s'appelle camouflage. Ouhouhou ! Ça l'aide à se protéger de ses prédateurs. Ouhouhou ! Wow, regardez celui-là ! On dirait qu'il y a de beaux poissons là-dedans. Hello ! Hey ! Oh ! Et il nage un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh, on dirait quelques algues. Quelques pierres? Ouais, quelques pierres. Kazé dit qu'il y a une anguille dedans. Elle va lui donner à manger. Ouais! Hey, Blippi, tu as vu l'anguille loup? Elle se cache au fond de son antre. Parfois, si elle a faim, elle sort pour nous dire hello. Elle a l'air de ne pas être très contente, mais en fait, c'est mon amie. Elle aime les caresses sur le ventre et les friandises. Elle adore les crevettes. On va voir si elle veut bien manger. Wow! Trop cool ces animaux là-dedans! J'adore toutes ces créatures! Regardez! Wow! Dans cette bassine, il y a une araignée crabe. Vous voyez? Wow! Regardez, là, je vais enlever ce bout de varech. Wow! La voici! Ce qui est cool avec l'araignée crabe, oui, c'est son camouflage! Oui, elle se camoufle avec ce qu'elle mange. Si elle mange des trucs qui sont marron clair, eh bien, elle va devenir marron clair elle-même. Ou si elle mange du marron foncé, comme ce bout de varech, eh bien, elle prend la couleur foncée de ce bout de varech. Wow! Trop cool! Oh, là, la crevette! Hello, crevette! Tu es trop mignonne! Tu veux qu'on te caresse? Yep, et voilà. Oh! Et voilà. Trop mignonne. Hey! En parlant de ça, regardez. Wow! On dirait pas une crevette? Oui, ça ressemble à sa carapace. Wow! Oui, crevette et crabe font ce qu'on appelle une mue. Ouais! Quand la peau qui les recouvre, leur carapace, ouais, se détache d'eux, eh bien, oh! Ça, c'est juste la carapace de crevette qui s'est détachée de la crevette. Wow! Regardez ces bestioles! Wow! Ce sont deux Bernard l'ermite. Wow! Oui, des crabes qui sont dans une carapace. Wow! Regardez ce qui se passe quand je le prends. Il va rentrer dans sa carapace. Bien. Oh! Vous avez vu ça? Oh! Oui! Il était hors de sa carapace. Et maintenant, il est rentré à l'intérieur pour se protéger. Ok, je vais gentiment le remettre par ici. Wow! Quel aquarium! On dirait qu'il y a des crabes là-dedans. Des poissons, il y a plein de choses très cool là-dedans. Il y a beaucoup d'algues. Oh, et vous voyez tous ces poissons là au fond? Oh, les poissons! Hey, vous avez faim? Ok, regardez. Je crois que j'ai de la bonne nourriture pour poissons. C'est de la nourriture riche en nutriments pour poissons. Oui, c'est comme pour vous et moi, les légumes en fait. Super bon pour nous. Très bien. Et voilà, poissons. Très bien. Wow! Regardez tous les coquillages! Oh, ils sont trop beaux! Celui-là est tellement gros, regardez! Wow! Pratiquement aussi gros que ma main. Oh! Hey! Wow! Celui-là est très brillant. Wow! Oh! Celui-là est très piquant. Oh! Oh! En voilà un autre piquant. Et là, ce sont de petits picots. Oh! Ah, ça, c'est trop cool! Oh! Hey! Regardez! Là, c'est une peluche animale. Et cet animal en peluche s'appelle une raie. Oui! Oui! Hey! J'ai une idée!
pourquoi ne pas explorer cet endroit et voir si on peut trouver d'autres animaux en peluche? Ah! Oh! Regardez! Une tortue de mer géante! Wow! Les tortues de mer sont trop cool et tellement gracieuses lorsqu'elles nagent dans les eaux! Elles nagent, elles nagent, elles nagent! Ah! Ah, c'est trop mignon! Ok, et voilà! Oh! Wow! Regardez! Il y a deux saumons! On dirait que l'un a des œufs, tandis que l'autre n'en a pas! Wow! Regardez-les nager! Wow! Les saumons, c'est cool! Ouais! Ils deviennent tellement gros! Ouais! On dirait de petits saumons dans la nature! Ok, je vais les mettre juste par là pour ne pas qu'ils tombent dedans! Wow! Un lion de mer géant! Bien, celui-là serait tout petit, mais les lions de mer deviennent très gros et font le son... Ça, c'est trop bizarre! Oh, trop mignon! Ok, je vais te remettre juste ici. Wow! En voilà encore une! Wow! Un clam géant! Là! Comme une carapace! Ouais! Waouh! Regarde! Il s'est ouvert! Vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui! C'est une perle! Waouh! Ah, ça c'est trop joli! Waouh! Tellement brillant! J'ai entendu que les perles sont créées par de l'irritation. Et je crois que c'est vrai. Waouh! Là encore! Waouh! Un coquillage! Ouais! Ça, c'est un Bernard l'ermite! Oui! Regardez, c'est un crabe! Et puis, il rentre dans sa coquille! Pour se protéger, voyez? Oui, il marche comme ça sur le sol. Et puis, il sort comme ça. Et puis, il rampe un peu. Et puis, il rentre dedans. Ok, on va te garder juste là. Et voilà. Oh! Wow! Encore une autre! Ouais, ça c'est un poisson. Et vous voyez comme il est plat. Oui, il reste à plat et ses deux yeux sont sur le dessus de son corps. Oui, il reste juste là sur le sol, dans le fond de la mer. Et ça, c'est un flétan. Les flétans deviennent super gros. Oui, celui-là serait un petit. Ouh, ah, ça c'est trop mignon. Vous savez quel genre d'animal c'est? Oui, c'est l'indice. Oui, ça, c'est un hippocampe. On dirait un peu un cheval, hein? Oh, jolie petite queue, là. Et regardez ce qu'il a. Une jolie petite poche. Petit bébé hippocampe. Hey! Oh! Ah, tu as plein de couleurs. Ok. Ok, voyons. Wow! Encore un autre. Oui! Regardez! Il tue les baleines! Oui! Une orque! Waouh! Elles sont mignonnes! Waouh! Une pieuvre! Elles sont intelligentes! Oui! Et elles ont 8 longues tentacules! Waouh! Avec des ventouses dessous pour bien s'accrocher! Ok! Et voilà! Oh! Là, ce sont des baleines! Oui! Les baleines peuvent être très grosses et même massives. Et elles respirent l'air, elles font pshhh. Et elles aspirent l'air et elles plongent pour descendre sous l'eau et elles restent sous l'eau pendant très longtemps. Oh, hé, là! C'est un beluga! Waouh, c'est tellement clair, blanc! Ouais, on dirait un peu de la neige. Ouais! Les belugas adorent, en fait, nager dans les eaux hyper froides, glacées. Wouh! 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 Wow! Regardez! Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un de nos paniers de crabes. Et par chance, on a un paquet de crabes aujourd'hui. Ah, c'est clair! Ah, il y en a un de ces paquets! Et quel genre de crabe c'est?
On les appelle gracieux ou crabes élancés et ils ressemblent beaucoup aux crabes dormeurs. Vous avez déjà vu un crabe dormeur avant? Ils sont à peu près gros comme ça? Oui, c'est ça. Ceux-là sont presque des adultes. Waouh! Est-ce qu'on peut en sortir un et le voir d'un peu plus près? Encore mieux. On va même pouvoir en prendre deux et chercher qui est le garçon et qui est la fille. Ok, ça va être fun! Waouh! Regardez! Nous avons deux crabes là-dedans! Très bien. Ok, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? C'est une bonne question. On me demande souvent. J'aime commencer par la femelle crabe, la fille crabe. Et on regarde sur son ventre, on la tourne bien gentiment sur son dos. Elle se calme un peu. Et on regarde si on voit un large triangle par là. Ce que n'a pas le garçon, c'est parce qu'elle va avoir des œufs dans son ventre, ici. Il lui faut plus de place, le garçon n'a pas besoin d'autant de place. Ok, donc celle-là, c'est une fille, et là, c'est le garçon. Tout compris, Blippi. Oh, regardez! Wow! Ah, c'est trop super cool! Et j'adore imiter le crabe. C'était pas super fun de découvrir la vie marine ensemble? Ouais, c'était génial! Tous ces beaux poissons, toutes ces créatures! Wow! Incroyable comme ils peuvent survivre sous l'eau! Alors que vous et moi, on vit sur Terre! Ouais, c'est très important pour vous et moi d'aider à maintenir l'eau bien bien propre! Ouais! Bien! C'est la fin de cette vidéo! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom! Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I... P-P-I! Blippi! Bien joué! Très bien! Bon, je n'arrêterai pas d'apprendre! Venez les amis, on va s'amuser! Blippi, Blippi! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant! Blippi! Hello! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au parc à jeux de Amy en Pasadena du Sud en Californie! Venez! Nous allons apprendre nos couleurs. Wow! Wow! Cet endroit est trop cool! Wow! Ouh! On ne peut pas passer ici sans quitter nos chaussures. Voici une chaussure et voici deux chaussures. Hey! De quelle couleur sont mes chaussures? On dirait qu'il y a du bleu, orange et du blanc. Wow! Allons-y! Cet endroit est si coloré! Oh, j'adore jouer par ici! Oh, cet objet est plein de couleurs! Regardez cette voiture! Cette voiture est de couleur jaune et de couleur rouge! C'est parti! Trop drôle! Waouh, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est si doux là-dedans! Waouh! Oh! Hey, regardez ça! Clic clac! Cette boîte a de nombreuses couleurs dessus. Oh, oh! Il y a tant de couleurs à nommer. Allez, continuons à explorer. Waouh! Oh! On dirait un château. Et si on y entrait? Salut! Wow! Regardez ça! Oups! Ce ballon était de couleur bleue. Wow! En voici un autre! Ce ballon était de couleur verte. Bien joué! Wow! Hey! Boing! Wow! Ouais! Wow! Le château est super grand! Wow! Hello, en bas! Hey! Wow! Regardez ces marches! Wow! Vous avez vu ces couleurs? Regardez ces couleurs! De quelle couleur est celle-là? Ça, c'est la couleur rose! Cette couleur, juste ici, ouais, la même couleur que la barrière. De quelle couleur s'agit-il?
Oui, la couleur jaune. Et juste ici, oh, on l'a déjà apprise celle-là. Ici, ici et ici, oui, elles sont toutes de couleur verte. Oh, hey, une seconde. C'est pas l'heure de la sieste. Oh, mais ce canapé est bien confortable. Vous savez de quelle couleur il s'agit? C'est une couleur intéressante. Cette couleur est la couleur turquoise. Wow, c'est une sorte de bleu avec du vert mélangé ensemble. Wow. Mais ce n'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure de faire des roulades. Wow, 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 wow. J'adore faire des roulades. C'est trop rigolo. Il y a tellement de couleurs. Et je pense que c'est dégonflé. Comment peut-on gonfler ça? Oh, regardez-là. Wow! Ça, c'est le moteur vert. Oui, ça, c'est vert. Et jaune. C'est parti! Quelle est cette couleur? Oui, c'est l'une de mes deux couleurs favorites. Oui, et ça rime avec deux. Bleu. Regardez ça. Ça, c'est la couleur rouge. Très bien, c'est l'heure pour moi de tester le toboggan. Wouhou! Et c'est parti! Wouh! Wouhou! Ouais! Ah, salut! Hey, hey! Wouhou! Et hop! Une boule de bowling! Et des quilles blanches! Wow! Salut en bas! Regardez, je suis en haut de l'escalier! Maintenant, je vais les descendre. Wow! Wow! Maintenant, je suis en bas de l'escalier. Je devrais probablement monter. Là, en haut des escaliers. Wouhou! Au revoir! C'est bien coloré ici. Wow. Oh, j'adore explorer ces tunnels. Wow. Ouh, ok. Oh, un toboggan. Ça donne envie. Oh, ok. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Wow. Wow. Hello. Ce toboggan était super fun! C'est un toboggan rose!
Wow! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ring, ring! Wow! Ring! Wow! J'adore les dinosaures! Wow! Oh, regardez ces jouets! Oh, c'est trop mignon! Hello! Hello! Hey! Comment tu vas? C'est trop rigolo! De quelle couleur sont ces dinosaures? Oui, ils sont de couleur violet et rose. Wow! Wow! Regardez ça! Oh, c'est un hélicoptère! Et il porte mes deux couleurs favorites! Oui! De quelle couleur est cet hélicoptère? Oui, il y a deux couleurs. Bleu et orange. Wouhou! Ah, remettons ça là et allons explorer. Ah, oh, oh, wow. Regardez cette voiture bleu clair. Regardez cette voiture-là. Celle-là a l'air bien rapide. Wow! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous. Wow! C'était super fun de jouer au parc Amy en Pasadena du Sud, en Californie. Wouh! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous aujourd'hui. Hé! Hey, comme cette plante verte! C'était super fun! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? P-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Super! On se voit plus tard! Salut! C'est moi, Blippi! Regardez ça! Voici mon détecteur de métal. On l'utilise pour détecter le métal dans le sous-sol, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Ouais! Je n'ai rien trouvé pour l'instant, en tout cas. Oh! Vous entendez ça? Oh! On doit avoir trouvé quelque chose! Oh. Wow! Regardez! C'est une clé! Wow! C'est une super grosse clé! Je me demande à qui elle est. Hé! Hey, en fait, elle pourrait tout à fait venir des enfants voleurs de bijoux en Pasadena du Sud, en Californie. Si on allait leur rendre visite, ça va être trop fun! Oh, nous y voilà! J'adore cet endroit! Allons à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Venez! Wow! Cet endroit est trop cool! Oh, regardez ça! Ça... c'est un agrandisseur de diamants. Wow! Regardez ce diamant géant! Ça tire des rayons de lumière et après, on voit les choses de très très près. Comme cette pierre. Wow! Ou comme ces pièces d'or. Ou ces colliers. Ou ces bracelets. Cet endroit est trop cool! Oh, regardez ça! C'est un livre de bateaux pirates géants. Wow! Vous êtes déjà allé sur un bateau pirate? J'adore les bateaux pirates! Waouh! Regardez! Une personne! Oyez, mes amis! Bienvenue chez les enfants voleurs de bijoux! Qui êtes-vous? Je suis Kelly le gosse! Oh, Kelly le gosse! C'est cool ce nom! Et je pense qu'il est temps de partir à la chasse au trésor! Oh, une chasse au trésor! J'adore les chasses au trésor! Vous aimez les chasses au trésor? Ouais! Voici votre premier indice secret. Ouh! Un indice secret! Ça dit, indice du trésor pour Blippi et son équipage. L'équipage, c'est vous! Ok, lisons-le. Oh! Écoutez bien, car je vais vous donner un tuyau. Vous trouverez mon premier indice secret sous un bateau doré. Oh! Mais attendez! Je sais où ça peut être! Attendez! Avant d'y aller, il vous faut le bon look, Blippi. Le bon look? Oh, une nouvelle garde-robe! Ah ouais!
et bonne chance. Oh, merci. Ça va être trop méga fun. D'abord, il faut avoir le bon look. Ouais, il faut porter notre chapeau de pirate, parce que les pirates aiment leur trésor. Ensuite, il faut porter... ce gilet de pirate. Ça va le look? Il nous manque plus que le sabre de pirate. Super, nous y sommes. Maintenant, on va aller explorer. Wow. Hello. Wow. Cet endroit est si merveilleux, tellement magique. Ok, allons là-haut. Wow. Regardez ça. Ouh. Wow. Il y a tellement de couleurs ici. Et l'indice parlait d'une couleur or. Ouais, un bateau doré. Vous voyez quelque chose? Oh, ouais! Juste là! Bien joué! Venez! Wow! On dirait qu'on a trouvé un autre indice! À côté de ce bateau de pirates doré. Bien joué! Ah! Assez intéressant! Voyons ce que ça dit. Ok. Ça dit... Mon ami à plumes roses est encore dans le coup. Il révèle tous mes secrets. Mais pourrez-vous le trouver? Oh, je pense que je sais ce que c'est. L'ami à plumes roses. Ouais, je pense que c'est probablement un oiseau de couleur rose. Ok, allons-y. Ok, on doit trouver un oiseau rose. Vous en voyez un? Viens là, l'oiseau! Viens là, l'oiseau! Hé hé! Non, je ne vois pas d'oiseau rose. Voyons, peut-être par là... J'adore chercher les indices. Voyons voir ici... Oh! Le voici! Vous voyez l'oiseau rose? Hé, hey, l'oiseau! Salut! C'est moi, Blippi! Comment vas-tu aujourd'hui? Vous voulez faire l'oiseau avec moi? Ok, ok, l'indice doit être ici. Oh! Le voici, juste au-dessus! Une chaîne en or! Wow! Et un indice de plus, bien joué! Ok, voyons ce que ça dit. Vous aurez besoin de moi pour aller sous la mer. J'aide les plongeurs à nager et les protège quand ils respirent. Ok, il faut chercher quelque chose qui aide quelqu'un à respirer sous l'eau. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Très bien, récupérons le butin et continuons à explorer. Oh, regardez ça! Waouh, cette table est trop cool! Et c'est un miroir. Regardez ça! Hey, je vous vois! Vous me voyez? Hey! C'est trop drôle! Ok, et cette table est faite avec du journal. Oh, et ça? Ce sont des pièces en bois. Ça ne vous aiderait pas à respirer sous l'eau. Mais c'est vraiment cool. Je me demande à quoi ça peut servir. Oh, de jolies lumières. Oh, une sonnette. Écoutez. Vous entendez ça? Ok, on cherche des indices et pas des sonnettes. Waouh. Regardez ça. Hello. Hey. Une grenouille. Vous voyez la grenouille? Sacrée coquine. Vous faites la grenouille avec moi? Une sacrée grenouille. C'est vrai qu'elles peuvent rester sous l'eau assez longtemps, mais je ne pense pas qu'elles puissent aider les humains à respirer sous l'eau. Oh, regardez ça. Ça, c'est une horloge à pendule. C'est énorme. Oh, hé, un autre oiseau. Bonjour le corbeau.
Ou bien c'est un jet? Oh, je ne sais pas. Mais c'est un oiseau bien mignon. Coucou! Il y a tellement d'oiseaux! Mais je ne crois pas que l'horloge va nous aider. Les horloges nous donnent l'heure. Elles n'aident pas à respirer sous l'eau. Toutes ces couleurs. Waouh! Des perles! Regardez ça! Waouh! De grosses perles! Choisissez 4 grosses perles. On va peut-être faire ça, n'est-ce pas? Ouais! Pendant qu'on cherche les indices, on va prendre quelques perles. Regardez ça! Une perle bleue. Voyons ça. Oh! 2 perles bleues. Maintenant, j'ai donc 2 perles bleues. Ok, voyons ça. Waouh! Il y a tellement de perles ici et elles sont de toutes les couleurs. Comme celle-ci. C'est une perle rouge. Rangeons-la. Ce qui nous fait 2, plus celle que nous voyons d'ajouter, ça fait 3 perles. Il nous en faut une 4e. Ah, pourquoi pas celle-là? La 4e perle! Et c'est une perle rouge. Alors maintenant, on a 4 grosses perles. Ouais, 4 grosses perles. Ok, continuons à chercher. Waouh, d'autres perles! Waouh, celles-là sont petites! Voyons ce qui est écrit. Prenez 10 petites perles. Ok. Ok, ça va être plutôt facile. Prenons 10 petites perles. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dernière, 10. 10 petites perles. Waouh, toutes ces couleurs. Waouh, j'adore les perles. C'était super fun. Oh, vous voyez ce que je vois? Oh, regardez ça. Ça, c'est un masque de plongée. Ouais, les plongeurs portent des masques de plongée pour aller sous l'eau et respirer. Ouais, c'est notre indice. Oh, regardez. Oh, un autre indice. Oh, j'ai trop hâte. Ok, lisons-le ensemble. 8 pattes folles, une pieuvre a. Et si vous trouvez celle en or, mon trésor sera à vous seul. Oh, ok, je sais ce que ça veut dire. Il faut trouver une pieuvre dorée. Ouais, ça va être assez facile. On doit seulement continuer à bien explorer et trouver cette pieuvre dorée. J'adore cet endroit! C'est trop cool! Oh, regardez! D'autres perles et d'autres trésors! Waouh! Regardez ça! Oh! Ici, il y a un crabe dedans! Waouh! Regardez ça! C'est un si petit crabe! Oh, oh, oh. Et regardez là! Ici, c'est un scarabée dedans! Waouh! Ça, c'est un joli petit scarabée! C'est plutôt cool. Ok, continuons à explorer pour trouver la pieuvre dorée. Waouh! Où est-elle? Vous voyez quelque chose? Oh, oui! La voici! C'est un tentacule de pieuvre dorée! Waouh! Regardez ça! Oh! C'est trop bien! Mais où est le prochain indice? Oh! Oh! Regardez ça! C'est un coffre au trésor! Ouais! On l'a fait! On a trouvé le trésor caché! Ouais! C'est fermé! Comment on va l'ouvrir? Une petite seconde. Vous vous rappelez quand on était au parc et qu'on a utilisé le détecteur de métal pour trouver la clé? Ha! Ouais! On l'a juste ici! Oh ouais!
Et si on utilisait la clé pour ouvrir le coffre au trésor? Allons-y! Ouais! Regardez! Le trésor final! Waouh! Ouais, on a réussi! Félicitations, Blippi! Wow! Et maintenant, le plus fort, c'est qu'on va changer le butin en un collier magique. Ouh! Un collier magique? Suis-moi! Oh, ça a l'air super trop fun! Allons-y! Assieds-toi, Blippi! Oh! Ouais! Vous vous rappelez d'ici? Waouh! Je suis trop excité! La première chose à faire, c'est de prendre le trésor et de le mettre au centre de la planche. Ok. Ouais, vous vous rappelez de ce qu'on avait tout à l'heure? Ok. Mettons le trésor magique au centre de la planche. Oh, 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 wow, une dent de requin! Et c'est de l'or! Brrr. Ok, comme ça? Parfait. La prochaine chose que nous allons faire, c'est de prendre vos perles de couleur et les mettre de chaque côté de la planche. Ok. Prenons les deux grosses perles rouges, puis les deux grosses perles bleues. Les deux petites perles bleues. Les deux perles vertes. Les deux perles turquoises verdâtres. Les deux perles jaunes. Et enfin, le meilleur pour la fin, les deux perles roses. Et voilà! C'est magnifique! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la chaîne en or massif. Oh, ouais! Vous vous rappelez de cette chaîne tout à l'heure? C'est de l'or massif! Waouh! Regardez ça! Ça pèse une tonne! Ajoutons-la. Ok, on la met ici. Voilà, comme ça. Parfait! Ok, ça donne quoi? C'est extraordinaire. Vous êtes prêts? Ah ouais, je le suis. Maintenant, faites place à la magie. Allons-y! Wow! Regardez ça! Wow! Oh! Wow! C'est un collier avec des pouvoirs magiques! Trop cool! Blippi, je veux que tu l'essayes. L'essayer? Il a des pouvoirs magiques! Je me demande ce que ça va faire! Très bien, c'est parti! Oh! Il faut que je retire mon chapeau d'abord. Ok, c'est parti! Wow! Mais où suis-je? Blippi? Oh, Blippi! Est-ce que je suis devenu invisible? Oh, je pense que oui. Wow! C'est trop cool! C'est tout à fait magique. Où est-ce que je peux aller? Tu sais quoi? Enlève-le pour qu'on puisse te trouver. Ok, ben voilà! Te voilà! C'est trop rigolo! Oh, c'était génial de faire ce collier magique chez les enfants voleurs de bijoux en Pasadena du Sud, en Californie. C'était notre plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment magique. Bien joué, Blippi. Ouais, et bien joué à vous. On fait une équipe d'enfer. Ok, eh bien, à la prochaine. À la prochaine fois. Bye bye.